Bonjour Isa, comment vas-tu? Ah, salut Thierry. Ah mince! On dirait que mon téléphone est cassé. Laisse-moi. Bon ben c'est un signe. J'hésitais déjà à le remplacer par un mobile beaucoup plus sophistiqué, mais bon là, je pense que je n'ai pas le choix. Celui-là, il finira directement à la poubelle. À la poubelle? Tu rigoles. La vidéo est juste cassée. Tu peux le réparer. Mais regarde, il fonctionne encore. Ah oui, je vois, il fonctionne maintenant, mais bon, après... Au pire, Isa, tu le déposeras dans une des bornes de recyclage et tu lui donneras une seconde vie. Tu sais, Isa, c'est plus de 70 métaux rares qui sont utilisés pour la fabrication d'un smartphone. Et c'est l'équivalent de 4 fois le tour du monde avant qu'il n'arrive dans ta poche. Et s'il n'est pas reconditionné, on pourra au moins réutiliser ou recycler les matières premières. Alors, pas prendre paix. Tu as raison, Thierry. Non seulement je vais le garder, mais dès demain, je déposerai dans la boîte de collecte mobile, écouteurs, casque et tous les accessoires usagés qui doivent encore traîner chez moi. Et ce sera très bien pour notre planète car un smartphone reconditionné émet beaucoup moins de CO2 qu'un appareil neuf. Alors, vous aussi, n'hésitez pas à recycler vos téléphones usagés.